Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour ce nouveau chapitre d'À l'Ouest Rien Nouveau consacré à la politique. On va commencer par une petite parenthèse, j'ai mis un petit peu de temps pour faire cette vidéo, tout simplement parce que j'ai changé de matériel. Vous devriez vous en rendre compte, le son est nettement meilleur, j'avais énormément de soucis avec mon micro précédent, et donc je n'ai pas souhaité faire une autre vidéo, sachant que c'était insoluble, c'était vraiment un problème qualitatif, le micro avait énormément de soucis, et je n'arrivais pas à obtenir une qualité de son qui était suffisamment décente. Alors aujourd'hui la partie politique, il y aura assez peu de vidéos de gameplay sur cette partie là parce que malheureusement les vidéos de gameplay n'apportent pas grand chose, il y en aura quand même un tout petit peu, mais ça sera essentiellement des captures d'écran. Pour une raison toute simple, hein, c'est que ça l'aspect politique se contrôle dans la quasi-totalité dans un seul écran, quoi. Donc si je mettais des vidéos de gameplay, ça serait, vous verriez tout le temps la même chose, donc c'est pas extrêmement intéressant. Je préfère des captures d'écran statiques qui vous permettent de prendre le temps de regarder ce que vous avez à l'écran, alors que les vidéos c'est beaucoup plus rapide, ça va beaucoup plus vite. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas, hein, il y en aura quand même un petit peu, hein, je vous rassure. Alors, vous pouvez voir avec la capture d'écran que je vous ai mise, c'est l'écran principal de l'aspect politique. Donc là, vous pouvez voir, donc c'est une capture d'écran qui concerne la nation allemande. Alors, il y a deux choses qui sont importantes à dire, il y a une chose qui est très importante à dire, qui est vraiment dès le départ, parce que c'est pas quelque chose sur lequel les devs se sont énormément étendus. Hein, ça a été dit très clairement par les développeurs, mais on peut pas dire que ils en rajoutent des couches là-dessus, il me semble important de le rappeler. Le système d'espionnage a totalement disparu. C'est quand même un point important parce que c'est quelque chose qui était présent dans tous les HOI et ça n'existe plus. On ne trouve plus de traces du système d'espionnage. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose? J'en suis pas intimement persuadé. C'est à voir, mais c'est vrai que le système d'espionnage, moi, le souvenir que j'en avais, c'était un mécanisme où, quand on était un major, on foutait 10 espions chez nos ennemis, on foutait 10 espions en contre-espionnage chez soi, et finalement on s'en occupait très peu, et ça avait assez peu de valeur ajoutée parce que finalement les informations qu'on pouvait obtenir et les actions qu'on pouvait faire avec l'espionnage avaient un intérêt relativement limité. Donc je suis pas intimement persuadé que la disparition en tant que telle de l'espionnage soit réellement fondamentale, dans le sens où ça n'apportait pour moi pas énormément au jeu. Donc à voir ce que ça donnera, mais voilà. Alors l'autre chose que je voulais montrer dans cette capture d'écran, c'est le portrait, parce qu'il y a des gens qui se posent des questions, parce que dans les vidéos qu'on peut voir, notamment sur les World War Wednesday, le portrait notamment d'Hitler est obscurci. Alors les développeurs disent que pour les vidéos ils n'ont pas pris de risque et ils ont pris en fait les graphismes de la version allemande du projet, parce que vous savez qu'en Allemagne ils ont des lois assez strictes, même si pour autant que je sache, hein, d'un point de vue juridique, quand il s'agit d'un jeu traitant d'un fait historique, les lois allemandes n'empêchent pas ce genre de choses. Il semblerait que l'éditeur, pour des raisons de prudence tout simplement, ne prenne strictement aucun risque et ça donne ce genre de choses. Donc dans la capture d'écran que vous avez là, vous pouvez voir que c'est pas le cas, c'est pas obscurci, donc ça sera pour les versions non allemandes du jeu. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse que je voulais signaler. Donc sachez que le jeu n'aura pas d'obscurcissement des portraits dans sa version classique. Bon, on rentre dans le vif du sujet et l'aspect politique, on va commencer par les nations de manière générale. Les nations, vous le savez, elles ont une idéologie, hein, il y en a trois possibles, qui sont donc l'idéologie démocratique, fasciste et communiste. L'un des aspects importants sur lesquels les développeurs ont focalisé, c'est sur le donner la possibilité à n'importe quel pays de changer d'idéologie. Ce qui était quelque chose de présent dans les jeux précédents, mais de plutôt difficile à faire. Là, clairement, ce qui est annoncé, c'est que si vous le souhaitez, vous pouvez changer d'idéologie. Hein, c'est, si vous en avez la volonté, vous arriverez à le faire. Donc, c'est un joueur qui joue américain, qui veut devenir fasciste, il pourra devenir fasciste. Alors, ça ne sera pas forcément quelque chose de simple à faire, mais c'est faisable. Alors, il y aura notamment, parmi les moyens qui ont été décrits comme
pour être capable de changer d'idéologie, parmi les moyens, c'est notamment les objectifs nationaux. C'est-à-dire que certains objectifs nationaux iront vous permettre de vous orienter, de commencer à vous orienter vers une certaine idéologie. Le deuxième moyen, ce sont les conseillers politiques. On va en parler après. Les conseillers politiques qui vont vous permettre d'orienter un petit peu plus votre nation, et puis évidemment les influences extérieures qui étaient déjà présentes dans les précédents, qui vous permettront de pousser encore plus l'idéologie. Ce qu'il faut noter, en plus du fait que chaque pays peut changer d'idéologie, c'est que les nations majeures. Donc ça, c'était clairement expliqué lors de la dernière vidéo du World War Wednesday, c'est que une nation majeure peut changer d'idéologie, mais par contre, à quasi coup sûr, vous aurez une guerre civile. C'est-à-dire que vous pouvez changer d'idéologie par des États-Unis, mais ça ne se fera que au prix d'une guerre civile. Et ce que disent les développeurs, c'est que la guerre civile ne sera pas facile parce qu'en gros, elle partage le pays en deux et les forces sont relativement équilibrées. Ils expliquent d'ailleurs que c'est ce qui se passe en Espagne, hein. En Espagne, c'est tout simplement Franco, donc les fascistes. Donc c'est une rupture avec l'idéologie démocratique de l'Espagne et ça conduit à la guerre civile, et la guerre civile n'est pas gagnée d'avance ni pour un camp ni pour l'autre, dans la mesure où les forces sont très équilibrées lorsque la guerre civile éclate. Enfin, un dernier point qui n'est pas directement lié à l'idéologie, mais qui me semble quand même important, c'est que parce qu'en fait, pour chaque idéologie, finalement, il y a une faction. Donc, vous avez la faction de l'Axe, hein, qui regroupe les fascistes, vous avez la faction du Comintern, hein, qui regroupe les communistes, et vous avez la faction des Alliés qui regroupe les démocrates. Et désormais, il est possible d'avoir de nouvelles factions. Ça, c'est totalement nouveau, par contre, hein. Autant les changements d'idéologie, c'est quelque chose qui était déjà faisable avant. Ça, c'est quelque chose qui a toujours existé dans la chouï. Autant la possibilité de créer de nouvelles factions, ça, c'est vraiment totalement nouveau. Et d'autant plus qu'ils ont révélé lors du dernier carnet de développement les focus nationaux des mineurs, et on voit que les focus nationaux des mineurs leur permet eux-mêmes de créer une nouvelle faction. C'est-à-dire, vous pouvez, avec une nation mineure, créer une nouvelle faction. En plus de l'idéologie, chaque nation aura quelque chose qui va permettre de personnaliser la nation, qui s'appelle les attributs nationaux. Les attributs nationaux sont différents pour chaque pays. J'ai remarqué qu'ils avaient fait l'effort d'en faire également pour les mineurs. Donc, pour une fois, les mineurs, généralement, il n'y a pas grand-chose, mais ils leur ont quand même donné des attributs nationaux. À voir, est-ce qu'il y en aura pour tous les mineurs ou seulement pour les mineurs importants. Donc quelques exemples. Donc sur la capture d'écran, là vous pouvez voir les attributs nationaux du Japon, donc qui est un état shintoïste, qui lui donne moins 10% de vulnérabilité au bombardement de ses usines, et un taux de récupération de ses divisions de plus 10%. Sur la Finlande, vous avez plus 25% de morale à l'armée et moins 10% d'attrition. Un autre exemple qui a été donné, c'est que l'Allemagne avait un bonus d'influence, de pouvoir politique du fait de la dictature d'Adolf Hitler. Donc ça, ce sont des exemples d'attributs nationaux. Alors je trouve ça sympa, même si c'est pas transcendant, c'est un début de démarquement des différentes nations. C'est ce qui va en partie faire que chaque nation n'est pas identique. Nous allons maintenant voir la notion de pouvoir politique. On va l'approfondir au fur et à mesure de cette vidéo, mais on va commencer à aborder ce sujet maintenant. Vous pouvez le voir sur la capture d'écran que je vous ai mis en arrière-plan. Le pouvoir politique, c'est ce qui est tout en haut dans la barre en haut. Vous pouvez voir le nombre 2, hein, avec le petit bâtiment en forme grecque. C'est le nombre de points de pouvoir politique que possède actuellement la nation. Alors, le pouvoir politique, c'est une mécanique de jeu qui est pas fondamentalement nouvelle, parce que au préalable, il y avait également un petit peu ce genre de mécanisme, même si ça s'appelait pas des pouvoirs politiques. En revanche, c'est pour moi très clairement inspiré de ce qui s'est fait et qui fonctionne d'ailleurs très bien, notamment dans Europa Universalis 4. L'idée, c'est que votre nation va gagner un certain nombre de points de pouvoir politique. Le chiffre qui est annoncé, c'est de 2 par jour pour la plupart des nations.
2 points de pouvoir politique par jour que vous pouvez après dépenser. Et donc en fait, chacune de vos actions politiques va vous coûter de l'argent, hein, enfin cette monnaie, les points de pouvoir politique. Par exemple, si vous souhaitez éditer une nouvelle loi, changer de loi, il vous faudra un certain nombre de points politiques. Si vous souhaitez nommer un nouveau ministre, il vous faudra un certain nombre de points politiques. Et donc, vous serez donc amené à faire des choix, puisque surtout au début, vous n'avez pas suffisamment de points pour faire tout ce que vous souhaitez. Donc au début, quand vous n'avez pas de points, eh ben, on va choisir, est-ce que vous mettez plutôt un ministre, est-ce que vous allez plutôt mettre une entreprise, est-ce que vous allez changer de loi, etc. Donc ça, c'est pour les points de pouvoir politique. Sachant que les points de pouvoir politique, certaines actions, vous vous le drainez. C'est-à-dire que certaines actions vont avoir un coût journalier en points de pouvoir politique. Par exemple, pour avoir certaines actions, ça va être -0,2 de points de pouvoir politique tous les jours. Une autre nouveauté introduite par Paradox dans HOI 4, c'est le mécanisme des objectifs nationaux. Alors, tel que je le comprends, il s'agit d'un mécanisme qui vient se superposer principalement au-dessus du système d'événements. Le système d'événements qu'on pouvait avoir dans HOI 3, c'était des événements qui se déclenchaient à certaines dates et sous certaines conditions, mais sans qu'on ait le moindre contrôle dessus. C'est-à-dire qu'on ne savait pas quels étaient les événements potentiels et on ne pouvait pas savoir vers quoi on tendait ou non. Là, ils ont pris le parti de remplacer ce système, même si visiblement les événements sont toujours quand même un petit peu là, et de remplacer ça par le système d'objectif national. Alors vous pouvez voir en arrière-plan l'arbre national français, on va tous les voir, hein, puisqu'il y en a un par pays majeur. On va commencer par le français, mais d'abord terminer mon explication. Donc les objectifs nationaux, c'est donc vous qui allez les choisir. Certains objectifs sont soumis à conditions ou non. Hein, donc certains objectifs ont besoin de prérequis, par exemple ne pas être en guerre avec tel pays, ne pas être dans une faction, etc. Donc c'est assez varié, et auront des conséquences relativement importantes, c'est-à-dire que ça apporte des bonus extrêmement sympas pour le pays qui utilise les recherches, les focus nationaux, les objectifs nationaux. Parmi les bonus qu'on peut avoir, ça peut être débloquer des emplacements de recherche, donc ça c'est assez courant, être capable de fonder une faction, rejoindre une faction tout simplement, ça va être de retirer des pénalités. Alors là on peut le voir sur l'arbre français où en fait certaines branches vont être capables de vous retirer le malice qui est en fait un attribut national victorieux de la Première Guerre mondiale ou gouvernement des Unis, qui sont deux attributs de la France en début de partie, qui doit d'ailleurs pas mal pénaliser le pays en début de partie, on va en reparler. Et ou sinon apporter des bonus de recherche ou alors des bonus tout simplement militaires, des bonus d'organisation, des bonus de réorganisation ou de recovery, etc., etc. Donc les bonus sont relativement importants et il est vital de au niveau du jeu de bien se décider. Pourquoi bien se décider? Ben en fait, simplement parce que les arbres sont quand même assez denses. Celui français, c'est pas le plus gros, mais les développeurs annoncent environ une cinquantaine de focus par pays. Avec en disant qu'il était possible d'en chercher peut-être 6 par an en temps de paix et c'est divisé par 3 en temps de guerre. On cherche beaucoup moins une fois qu'on est en temps de guerre. Un autre aspect des arbres nationaux, c'est, d'après les développeurs, la manière dont va être gérés ces arbres nationaux par l'IO. C'est-à-dire plutôt que... parce que la manière la plus simple de gérer ça par une IA, c'est tout simplement de donner à l'IA, écoute, tu regardes parmi tout ce qui est disponible au moment où tu as besoin d'en prendre une, et t'en prends une au hasard. Ça, c'est la manière la plus simple de coder une IA à ce sujet. Et ils ont pris le parti, a priori, en tout cas c'est ce qu'ils disent, hein, si je me suis pas trompé en écoutant ce que le développeur disait, parce que c'est quelque chose qui est pas dans un carnet de dev, hein, c'est quelque chose qui est dit lors d'une vidéo des World War Wednesday, et ils disent qu'ils ont donné à l'IA
on va dire des templates à suivre. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant parce que le problème d'un choix aléatoire, c'est que ça donne des résultats qui sont pas très cohérents et du coup, ce long terme, ça a des résultats qui peuvent être finalement assez désastreux. C'est pas pour rien que un humain gère mieux qu'une IA, hein, c'est simplement parce qu'un humain, il a une stratégie, il a généralement une stratégie qui a une vision à long terme. Et donc le fait finalement de donner un template à une IA, ça consiste à la diriger vers quelque part et elle sera assez logique dans sa manière, puisque c'est un humain qui a créé ce gabarit. Donc à voir ce que ça va donner, mais ça je trouve que c'est un aspect intéressant d'avoir voulu le gérer de cette manière. Parlons un petit peu maintenant de ces arbres au niveau national, puisque chaque pays majeur aura donc un arbre à lui. Je suis en train de vous les faire défiler pendant que je parle. Sachez que je vais pas vous les détailler pour plusieurs raisons. La première, c'est que je me suis rendu compte que j'avais finalement assez peu d'informations sur le détail des arbres, à part peut-être l'arbre japonais, éventuellement un ou deux arbres qui sont un petit peu plus détaillés. J'avais pas énormément de valeur ajoutée à apporter là-dessus. C'est très très long d'en parler et ça me plombait la vidéo, ça la rendait ennuyeuse. Je l'ai fait, hein, j'ai fait l'enregistrement et j'étais vraiment pas satisfait. C'était trop long à ce sujet. Et en plus de ça, je m'étais dit, je vais peut-être me le garder, peut-être que je ferai une vidéo additionnelle qui présenterait tous les pays. Donc là, j'hésite encore à la faire. S'il y en a qui la veulent, dites-le moi. Hein, voilà. Donc, pour terminer sur les focus nationaux des pays, quand même une chose intéressante, parce que comme du coup, je les ai tous regardés en détail, etc., je me suis rendu compte que finalement, ils présentaient quand même tous une structure globale qui était à peu près similaire, même s'ils sont très différents les uns des autres. Hein, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Ils sont tous très différents les uns des autres. Ça, c'est vraiment au niveau des majeurs, vraiment, c'est super bien fait. Mais néanmoins, ils présentent quand même une structure qui est globalement à peu près toujours identique, qui est, d'une part, vous avez une grosse branche qui va concerner la politique, qui va vous amener vers tel ou tel allié ou tel ennemi. Vous avez ensuite une ou plusieurs branches militaires qui seront des focus qui seront relatifs à ce qui a été historiquement fait par le pays, c'est-à-dire par exemple si vous êtes au Japon, ça sera évidemment le naval, hein, et un petit peu le terrestre. Si vous êtes les États-Unis, ça sera essentiellement vers de l'aérien. L'Angleterre, ça sera le naval et l'aviation, mais quasiment rien pour l'armée de terre. Donc voilà, ça vous donne un petit exemple. Donc en plus de ça, vous avez un arbre qui est généralement consacré à tout ce qui est industrialisation, des bonus sur l'industrie et sur la recherche. Donc ça, c'est en gros ce qu'on trouve sur à peu près tous les arbres, hein. Il n'y a quasiment pas de différence. Donc vous pouvez regarder, hein, si ça vous intéresse, vous avez tous les arbres là en arrière-plan, hein, n'hésitez pas à faire des pauses et à jeter un petit coup d'œil. Il y a en plus de ça un arbre générique qui a été dévoilé là il y a même pas une semaine, hein, dans le tout dernier carnet de développement, qui dévoile donc l'arborescence, enfin les focus nationaux, les objectifs nationaux pour les nations mineures, qui partageront donc toutes le même arbre. C'est très générique et honnêtement celui-là, faut bien reconnaître qu'il a un intérêt très très moyen. Mais bon, comme ce sera très modable, je pense que ça va pas rester très moyen très longtemps. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les objectifs nationaux et on va passer à la suite. Réintéressons-nous maintenant à la partie de cet écran-là, la partie politique, qui est divisée en trois parties, les lois et le gouvernement, la recherche et la production et le personnel militaire. Alors, les lois et le gouvernement, donc en fait vous avez trois icônes qui sont les lois. Donc les lois, c'est tout simplement les lois économiques, les lois commerciales et les lois de conscription. Donc les lois économiques, ça va de l'isolement paisible à la mobilisation totale, donc ils vont avoir un effet sur votre industrie, tout simplement. Les lois commerciales, il y en a quatre possibles, ça va de libre-échange à l'autarcie. Et les lois de conscription qui vont de la conscription limitée à on racle les fonds de tiroir. Donc 7 au total. Alors sur les conseillers politiques, vous pouvez en avoir 3. Ça va vous coûter des points politiques pour les recruter et certains peuvent vous coûter des points politiques à entretenir. Ça c'est un petit peu comme l'Europa Universalis. D'ailleurs c'est pas spécialement plus mal parce que c'est quelque chose qui fonctionne bien dans Europa Universalis 4. Alors en dehors des conseillers politiques, nous avons la partie recherche et production. Et là en fait c'est le grand retour de HOI2 puisque nous avons le retour des usines.
Alors ça, c'est vraiment excellent. C'est vraiment quelque chose qui... Alors on a le retour des slots, hein, des slots de recherche qu'il n'y avait pas dans HEI3, mais on a aussi le retour des usines et enfin des entreprises privées. C'est quelque chose qui était très apprécié dans HEI2. Alors, comme je l'ai dit, les entreprises, il va vous falloir des points de production, enfin des points politiques, pardon, pour pouvoir les sélectionner, mais également pour les supprimer et pour les changer. Alors, vous pouvez voir hein, dans les vidéos qui sont en train de défiler hein, que ça coûte quand même pas rien. Hein, ça va de 150 points à 450. Alors, j'ai fait le calcul, hein, 150 points, 2 PP par jour, ça revient à peu près à 2 mois et demi de 2 mois et demi de cumul de points politiques. Les entreprises, elles vont influencer elles apportent un bonus dans un domaine spécifique, plus un bonus un peu réduit pour les autres domaines de recherche. Et en plus de ça, elles influencent les statistiques des équipements produits. Donc, par exemple, si on parle de blindés, Porsche, pour les Allemands, hein, l'entreprise Porsche, ça sera plus de blindage, moins de vitesse et moins de fiabilité. Tandis que Henschel, ça sera plus de fiabilité et plus d'attaque. Donc là, vous aurez des choix à faire pour savoir bah, qu'est-ce que vous préférez avoir comme matériel. Et ça va permettre également de différencier les équipements des différents pays, puisque même si l'arbre technologique se ressemble et qu'ils peuvent produire plus ou moins le même équipement, je pense notamment aux avions, hein, c'est vraiment la même chose, même d'ailleurs les chars, ça va permettre quand même de différencier parce que les choix que vous allez faire à ce niveau-là vont permettre d'influencer le matériel que vous allez produire. Sachant que au niveau des entreprises, le dernier slot, c'est en fait pas vraiment une entreprise, mais en fait le choix d'un théoricien. Donc sur le Japon, par exemple, vous avez une vidéo qui défile, si vous regardez, vous constaterez que par exemple vous avez Yamamoto, hein, qui est un théoricien, qui lui va avoir pour une doctrine aéronavale. Hein. Enfin, vous avez la possibilité de choisir un état-major militaire. Donc, il y a 6 slots, 3 pour un pour chaque arme, donc terrestre, aérien et naval, plus 3 slots d'état-major plus générique où vous pouvez mettre ce qui vous est en fonction de ce qui vous est proposé. Encore une fois, tout ça vous coûte des points politiques. Alors, tout ça pour dire que cet aspect de la politique est sympathique, c'est plutôt bien mené. À voir ce que ça va donner une fois en jeu. Alors, nous en arrivons maintenant à l'aspect diplomatie. Alors, vous pouvez le voir sur la capture d'écran, je vous ai mis les options diplomatiques qui existent. Alors ça, c'est foncièrement pas nouveau, donc c'est pour ça que je vais pas forcément beaucoup m'attarder là-dessus. Simplement, donc on notera que en ce qui concerne les déclarations de guerre, elles sont impossibles entre les groupes des démocraties, et que même les fascistes ont besoin d'un objectif de guerre pour pouvoir déclarer la guerre. Bon, ça c'est pas trop un problème, puisque quand on voit que les focus nationaux, ils apportent ça à l'appel, hein, les objectifs de guerre, donc ça sera pas un problème pour eux pour entrer en guerre. La partie justification de la guerre, dont je vous mets une autre capture d'écran sous les yeux, est impossible pour les démocraties si la justification fait monter la tension mondiale. Autrement dit, je pense qu'ils vont être relativement limités. Ceci dit, je n'ai pas d'exemple à donner de justification de guerre qui pourrait ne pas faire monter la tension mondiale. C'est ce que j'ai vu jusqu'à présent dans les vidéos, ça faisait monter la tension mondiale systématiquement. Le simple fait de faire, en gros, c'est un casus belli, hein, c'est de créer une revendication. Hein. C'est le fait de créer une revendication, ça fait monter la tension mondiale. Les annexions et prendre des territoires qui sont pas des territoires nationaux, ça coûtera plus cher pour les démocraties, hein, dans les justifications de guerre, ça coûtera plus cher pour les démocraties que pour les autres types de gouvernements. Les communistes ont des facilités pour créer des objectifs de guerre qui soient des États fantoches plutôt que des annexions. Et enfin, l'Axe n'a pas de bonus particulier, mais il ne Une fois qu'il a fait sa première justification de guerre, une fois qu'il est en guerre, il n'a plus besoin de justification pour déclarer de nouvelles guerres, ce qui est très très puissant. Alors, les justifications de guerre, ça prend entre 6 et 12 mois, et ça aura un impact très important sur la conférence de paix que nous allons voir tout à l'heure. Et enfin, ça, comme je l'ai dit juste avant, ça accroît la tension mondiale. Et nous terminons maintenant sur les conférences de paix, dont je vous mets un extrait vidéo des World War Wednesday qui montrait une conférence de paix multijoueur. Alors, il faut savoir qu'en multijoueur, la conférence de paix va déclencher une pause qui permettra à tous les joueurs en jeu, pas seulement ceux qui participent à la conférence de paix, de voir ce qui s'y passe.
D'accord? Histoire que les autres s'ennuient pas pendant ce temps, et puis de toute façon, ça sera révélé de manière publique. Donc vous pouvez voir à gauche, en fait, que chaque pays a un certain nombre de points qui est, en fait, sa participation au score de guerre. Donc ça, c'est assez classique pour ceux qui ont déjà joué à Europa Universalis 4. En revanche, la méthodologie est assez différente d'Europa Universalis 4 parce que là, vous avez vraiment une notion de partage. Donc comment ça fonctionne? Chaque pays, parce qu'il n'y a pas que des joueurs là-dedans, il y a des IA aussi, va jouer à tour de rôle et va être capable de dépenser ses points qu'il possède. Donc ici, l'Allemagne en a 3 430 et faire des demandes donc qui se choisissent en bas à gauche. En à droite, vous avez qu'est-ce qui a été sélectionné par le pays en question. Tout ça, ça va coûter des points, et le coût en points sera extrêmement dépendant de l'objectif de guerre. C'est-à-dire que si vous aviez décidé de faire, je sais pas, un état fantoche et que vous décidez d'annexer, ben ça vous coûtera beaucoup plus cher d'annexer que si votre objectif de guerre c'était l'annexion. Donc ça, il faut le savoir. Vous allez ensuite, alors ici, ce que l'Allemand va faire, c'est que il va passer son tour et ça lui donnera 686 points supplémentaires. Vous voyez, il vient de passer à 4116. C'est maintenant au Japon de jouer. Le Japon est un joueur, hein, je précise, le Japon est un joueur puisqu'ils étaient 4 joueurs sur cette partie en multi. Et vous allez voir qu'il va se mettre tout doucement à sélectionner les régions qui l'intéressent. Ça fonctionne par région, hein, c'est pas des provinces qu'on choisit, ce sont des régions. Donc vous voyez, il commence à prendre, hein, Vladivostok, Khabarovsk, machin. Alors les noms russes, c'est pas mon fort. Il choisit. Vous allez pouvoir voir que l'Allemand va l'empêcher de sélectionner une région, voilà, qui l'intéresse simplement en cliquant, hein, puisque là on est sur la capture d'écran, on voit l'Allemand, là on voit il a cliqué sur la région du haut, il a dit non, ça c'est à moi, tu le prends pas. Et ça va faire plusieurs fois, hein, il va empêcher le Japonais de prendre une région qui intéresse l'Allemand. Alors le but c'est de se mettre d'accord. Donc comment ça fonctionne au niveau du tour par tour, c'est qu'en fait le joueur il va choisir tout ce qui l'intéresse jusqu'à ce que son compteur de points descende en dessous du joueur suivant. C'est-à-dire ici jusqu'à ce qu'il ait un compteur de points qui descende en dessous du compteur de l'Italie. Et à ce moment-là, ce sera à l'Italie de jouer son tour, qui va jouer son tour jusqu'à ce que son compteur de points descende en dessous de... Alors ça, je sais pas du tout quel drapeau c'est, donc s'il y en a qui connaissent, merci. Et en dessous, on voit donc l'Espagne nationaliste. Voilà, donc au final, l'Allemand l'a laissé prendre la région et l'a laissé prendre la région là. Ce qui est intéressant, donc on voit que la région est passée japonaise et qu'il a fait de cette petite truc au centre qu'on peut voir, la petite étoile rouge, un état fantoche. Hein, il en a fait, on le voit à droite, hein, Puppet. Donc voilà, ça c'est pour les conférences de paix, c'est un système qui est tout nouveau, inspiré de ce qui était déjà un petit peu fait dans Europa Universalis 4, hein, quand on gagnait les guerres et qui est donc possible de faire des demandes, sauf que là il y a plus d'interactions possibles, puisque chaque joueur peut à tour de rôle choisir ce dont il a envie. Donc on peut voir donc que les autres pays continuent, ils choisissent eux-mêmes un certain nombre de joueurs, pas grand chose, ils ont pas beaucoup de scores de guerre. Et là on peut voir que l'Allemand il va faire 3500 points, take all, et voilà, il prend ce qu'il reste, il prend la totalité. D'accord? Et donc on va voir, il prend l'Union soviétique et une partie de la Chine. Et c'est terminé. Normalement, ça devrait se clôturer bientôt. Je pense que la conférence de paix est terminée. Il n'y a plus rien à prendre, hein, pour autant que je vois. Et voilà. Donc au final, vous avez le résumé, donc le traité de Tacloman qui est déclaré. Ici, l'URSS est hors jeu et on peut voir hein, le German Reich qui s'est considérablement agrandi. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo intermédiaire. La prochaine vidéo est, je pense, le cœur du sujet parce que c'est quand même un jeu qui est centré là-dessus. C'est l'aspect militaire. Je vais prendre beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. J'espère que vous en avez autant à les regarder et j'espère vous retrouver bientôt sur la première partie des vidéos consacrées à l'aspect militaire.